Salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour le premier épisode, donc un nouveau jeu sur Uncharted The Lost Legacy. Donc comme je vous l'avais promis à la fin de Uncharted 4, on continue le périple Uncharted, donc pour le standalone avec Chloé Fraser. Puisqu'effectivement, nous l'avons vu lors du dernier épisode d'Uncharted 4, donc vous l'avez vu il y a également 6 jours, que et ben, le périple de Nathan Drake se termine plutôt bien, avec une bonne retraite bien méritée. Voilà. Mais, comme vous le savez, donc il y a un autre jeu qui est sorti, qui faisait peut-être office d'un DLC de Uncharted 4, mais il est sorti en version boîte à part. Donc on peut considérer ça comme un autre jeu, mais il reprendra quand même les mécaniques d'Uncharted 4. Donc voilà, et donc le premier Uncharted, pas aux commandes de Nathan Drake, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va pas quand même bouder notre plaisir. Visée automatique, non. Ok, moi je veux rien. Voilà. Et ben allez, c'est parti pour ce Lost Legacy qui était sorti un an après Uncharted 4, donc en 2017. Nouvelle donnée de jeu. Donc on va voir ce qui nous attend. Et c'est vrai que Chloé était complètement absente de ce Uncharted 4. On n'en y fait pas référence du tout. Et c'est vrai que ce personnage avait été aimé par les fans lors de Uncharted 2 et 3 notamment. Surtout le 2 où elle a un plus grand rôle. Le 3 elle était un petit peu reléguée, mais elle était quand même présente. Alors on va voir ce que ça donne. Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh. Encore toi? C'est ta boutique? Non, c'est à mon père. Combien? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies. Ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé. Non, il était volontaire. Vraiment? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. T'es sûre? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Pile à l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde la monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Ah, ça y est, donc c'est moi qui prends le contrôle de Chloé, du coup. Ah, attends, moi du coup je vais regarder ta boutique maintenant. Ça m'intéresse.
Donc ouais, elle est bien modélisée, mais je sais pas, par rapport à Nathan. Je sais pas, je reste un peu sur ma faim en termes de modélisation. Alors toi t'es là, moi je vais aller là. Parce que j'imagine qu'il y a du trésor. Non. À mon avis, le concept de trésor est toujours présent. On est sur la même mécanique que Uncharted 4. Donc, il ne peut pas y avoir beaucoup de changements là-dessus. Bon, par contre, c'est très agréable de prendre le contrôle de quelqu'un d'autre. Hein. Même si Nathan reste le grand pilier de cette série. Avoir une autre vision de la saga Uncharted n'est pas pour me déplaire. Je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi? Il n'est pas à vendre. Il est à pour consulter le téléphone. Ah, j'ai un Sony Xperia. D'accord, donc avec Nathan, c'était le journal, son journal, et là c'est le téléphone de Chloé. Ok. Je vais aller par là alors. Excusez-moi. Quoi? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Bam. Voilà ce que c'est que de faire des petits bruits bizarres, hein? Alors. Alors, continuons notre aventure. Non, là, il n'y a rien. Tu sais, tu n'as pas le droit d'entrer avec tes chaussures. Je sais, je voulais juste voir le manque d'appart. Bah, sinon, je les enlève, hein, il n'y a pas de problème. Bon. C'est par là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de soldats. Attends un peu. T'es pas une touriste, toi, hein? Bonjour, madame. Super prix. Tu vois pas qu'on est occupé? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Tu travailles pour la CIA? Ce serait vraiment trop cool. CIA, c'est connu partout dans le monde. Est-ce qu'elle va nous suivre, cette petite? Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde! Monsieur! Attends. Monsieur! Non. C'est mon papa! J'ai une glace et je l'ai perdue. Je peux pas rentrer sans lui. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait juste. Allez. Il avait disparu. Nickel. Bon.
C'est marrant qu'on parle de l'Inde, puisqu'à l'épilogue d'Uncharted 4, on avait vu un voyage pour les Indes. Donc, est-ce qu'on va croiser Nathan Drake en simple touriste? Pourquoi pas? Les pauvres gars. Oh, t'as la compassion? C'est ce qui lui manquait dans le 2. Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Je sais pas qui c'est qui m'envoie et ça. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Oui, on a connu pire. Au Tibet, par exemple. Oula, alors attendez, là, je vais un peu trop vite en besogne, là. Qu'est-ce qu'il y avait en haut de l'autre côté? J'allais dire une impasse, mais bon, non, c'est raccordé. Tiens. J'aurais juré avoir vu briller. Putain, j'étais content, ça y est, j'ai trouvé mon premier trésor. Nothing. Bon, bah tant pis, hein. Alors, je peux pas courir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est encore temps. Allez, allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Arrête! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion! Quoi? Non! La ferme! Pas l'idiote, ma coco! Dans le camion! Monte-toi! Vous faites une erreur! Je le jure! Je t'ai dit de monter! Dégage! Ok, 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 je m'en vais. Oui, c'est toi! Avec moi! Allez! Prends ça! Merde, un checkpoint! Je crois que j'ai pas le choix. Hé, doucement! Où est l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hé! Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hé! Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. Arafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Bon. Alors, il y a des ruelles que je n'ai pas visitées derrière. J'ai autre chose à faire. Je pensais qu'ils allaient me recaler, mais non. Bon, bah tant pis, hein. Pour passer, ça servira à rien. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici, L3? Porte rouge, c'est bon. Mais c'est fermé. Va falloir faire le tour. Mais qu'est-ce qui se passe aux Indes? Il y a une dame qui raconte des histoires. Ça permet de les rassurer. Ah, je peux passer par là. Alors attendez, attendez. Parce que là... Je me disais bien qu'il y avait un cul-de-sac ici, si on me demande de me baisser. Mais je préférais m'en assurer. Ok.
cette fois-ci, je peux. Je fume pas. Super. Toi, tu me seras. Ah. J'en veux pas si je peux pas. Ça y est, je retrouve mes mouvements. Attaque furtive. Ok. Et pareil. Ok. Voilà le travail. Alors ma porte rouge n'est pas là. On continue. Non, là, il n'y a rien. Où ce soir ? J'ai hâte. J'en peux plus, ces gens. Non, à Savadi, une semaine. Encore une semaine dans ce putain de trou à rats. N'oublie pas l'objectif final. Ok. D'accord, ok. T'as toujours la bouteille d'arak à la noix de coco ? Faites bien. Merde. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Ma gratitude est énorme. Parfait. D'accord, un petit crochetage. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est ? Et qui c'est ce contact là, un Gnorm ? C'est con. Faut que j'aille sur le toit. Ce qui est con, c'est que je peux pas naviguer sur mon téléphone. J'aurais bien aimé voir les anciens messages. Je te raconte pas le nombre de... Merde. Ok, bon là on peut grimper. Il y a plusieurs entrées. Bon, écoutez. La montre, Chloé. Ouais. Alors encore une fois, j'y pense maintenant là. Mais il n'y avait pas la musique du générique habituel. Hein. C'est une mini-opération. Quand est-ce qu'on va se battre contre les tyrans ? Hassan dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement nous prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. J'ai eu un petit acte héroïque là. Ok. C'est vraiment. Les mêmes mécaniques. Des semaines qu'on est là. Qu'est-ce qu'on bouge ? Pas tant qu'on n'aura pas visé pour qu'on voit chaque détail. On doit rester dans l'ombre. L'armée a des yeux. Ah, ça y est, toi aussi, tu as la poisse comme Nathan. Bon. Je suis en zone de guerre. Ok, le toit. Le toit il est marqué Pink Lotus. Oh la vache. Regardez-moi ça. Oh. C'est pas vrai. L'armée indienne fait pas les choses à moitié. Non.
c'est triste hein, comme, comme situation, mais alors le décor est magnifique. De toute façon, c'est toujours le même moteur graphique que celui du 4, hein, évidemment. Rien ne change, hein, gameplay, graphisme, méthode de jeu. Puisque c'est considéré, alors c'est un standalone via Chloé et Fraser, mais c'est considéré comme un pseudo DLC d'Uncharted 4. Hein, donc, forcément, les critiques seront les mêmes. Quand j'aurai terminé ce jeu, forcément, je ne critiquerai que bande-son, scénario et durée de vie. Bon alors. J'y suis. Changement de patrouille, laissez tomber le toit. Tandis qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Eh ben oui, c'est bon. J'ai l'impression que les contres, elles aiment pas ça. J'ai pas d'armes, évidemment. T'es en retard, Fraser. Invite te voir aussi. Je pense que c'est Nadine. Hein. Donc Nadine, l'une des antagonistes de d'Uncharted 4, qui est cette fois-ci avec nous. Tu joues à la fin. Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Mmh. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues, mais ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Ok. Alors pourquoi je suis avec Nadine? Ça c'est une très bonne question. Qui lui a fait connaître Chloé? C'est une bonne question. Suis-moi, je t'aide à monter. J'ai hâte d'en savoir plus. Et Nadine, et c'est voilà. Pas vraiment une personnage que j'ai beaucoup aimé dans le 4. Si. Ok. Suis-moi. Les roulades. Non, les glissades, pardon, les roulades. Qu'est-ce que je raconte? C'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Ah.
Est-ce que ça se déroule avant ou après le 4? Non. Ok, bon là, c'est du classique. Je vais y aller tout. T'es sûr que ça va tenir? Non. Même si t'avais côtoyé Nathan, enfin dans le bon sens, tu saurais que... rien ne nous arrête. Enfin si, moi c'était Elena. Mais Chloé, elle s'en fout d'Elena. Allez, par là. Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi t'es pas monté? Alors. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Cobra 1, Cobra 5, à vous. Bien reçu, Cobra 1. Allez, au pit, flottez. Ça bouge par là-bas. Terminé. Reçu, Cobra 1. Merde. Allez, hop. Bon, on va où maintenant? En haut. Hop. Ah, il y a toujours les trésors, du coup. Un vieux briquet. Avec le même... avec le même effet sonore que dans les anciens, pas de problème. Regardez ça. Je fais pas le bruit de l'effet sonore, sinon... mon chien... va se remettre à grogner. Alors... oh non, on peut me demander de redescendre ainsi. Non. Ça me rappelle vraiment le Tibet. C'est par là qu'il faut aller. On ne pourra aller nulle part sans chalumeau. Alors, maintenant on improvise. Je croyais que c'était déjà ce qu'on faisait. Tu vas où là? J'étudie juste nos options. Bouge pas. Moi j'adore les panneaux publicitaires. En tout cas, elle mérite bien sa réputation. Elles se connaissent pas depuis longtemps, apparemment. Ces installations. Oh chouette. Désolé. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Enfin, si une pauvre petite caisse fait casser un plancher, même pas un toit. Hop là. Là, il est à côté, je pense. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. T'es toujours aussi bavarde quand tu bosses? Ouais. Ah, bah j'ai bien fait de retourner en arrière. Ok. Toujours personne. Toujours personne. Ah, il est là l'autre.
Ok. Ouais, et ben le mec au-dessus de moi, il va pas rester longtemps. Et un problème de moins. Allez, hop. Alors, le Pink Lotus, le retour. C'est juste au-dessus de nous. Tu vois, c'était pas si compliqué. Bah quoi, c'est vrai. Et en plus, Chloé, elle y est arrivée sans râler. N'est-ce pas, Nadine? Ah bah, j'avais pensé à droite. Okay. Ça prendra qu'un moment. Alors ça, pour l'instant, c'est la nouveauté voilà, hein, de ce Lost Legacy. Ça marche aussi. Trouve un disque. Ok. Est-ce que c'est scripté ou si vous prenez moins de temps que moi, vous y arrivez avant qu'elle le casse? Surveille nos arrières. Ouais. La vache. On se croirait chez un antiquaire. Il n'a pas perdu son temps. Il y en a pour combien d'après toi? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. Effectivement, il y a pas mal de choses là. Oh, c'est affreux. Il y a un paquet de chats bizarres ici. Oh, bien vu. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Et c'est quoi notre mission? Parce qu'on sait même pas, au final. On nous a parlé d'un Asav. Indo-chrétien. T'as fini? Non, je regarde. Encore des artefacts, on ne sait pas pourquoi on peut les bouger, mais on peut les bouger. Destructeur et transformateur. Ok. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un journal. Salah et le tigre. Ah non, une petite pièce. Il est peut-être plus près que je croyais. Il y a un petit temple. Ouais, Salah, putain, je l'aurais pris. La taille du truc. Waouh, putain, il y a encore une sublime vue là-bas. Alors attendez, avant d'y aller. Ah bah tiens, ça c'est pour ça moi. Ça manquera à personne. Mais non, c'est quoi? Une petite boussole. Chasseur de trésors débutant. Eh ben, on est rentré au bon moment là-dedans, hein, parce que la flotte qu'il y a, je vous dis pas. Hein. Je vais emprunter ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait le Purba dans Uncharted 2. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là? C'est fermé. Pas pour longtemps. Oui, tu peux pas le casser là, hein. C'était quoi cette carte? Les Ghats occidentaux, territoire des Rissala. Oh merde! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Merde! Ok. Et le troisième. Ok. Fais gaffe. C'est magnifique. Vite, on s'en va. Ah, oups. Asaf, je pense. Nadine. Quelle bonne surprise! Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Je me connais bien.
après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Mmh. Ah. Un léger contretemps. Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le pic clôture. Quoi? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Tirer dominé. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses, trois guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Hmm. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Hmm. Ça veut dire non? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Là, on est bien. Oh, merde! T'es sûr? Allez! Il faut qu'on traverse la rivière! Allez, zou! Ok. On est parti. On chôme pas. C'est par là. Mais il tire dessus, c'est con. Cordel de merde. C'est pas une bonne idée d'y aller à deux. Qu'est-ce qui t'a pris là-bas? Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! On va traîner ici. C'est une collaboration fragile. Je suis. Donc, c'est dangereux. Stop. Oui. Oh non. Quelqu'un. Merci. Allez. Bon, ça vaut bien 10%, ça. Avance. C'est attention. 50. Oh, pour l'amour du ciel. Ça va te pâter. Un homme obligé de se les faire. Ça se fait maintenant. Quelle bande de chochottes. Allez. Les panneaux. Wow. Je vais bien. Tout va bien. Et on va sécher vos vêtements ici. Oh putain.
Ah là 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 là. Arrête pas, reste en mouvement. J'ai cru que j'allais me chier. Allez, on y va. Moi, il pleut pas, inverse. Elle a pris des vananato. Non, ça marche pas. Allez, qu'est-ce que je fous là? Suis-moi. La rivière est en dessous. Lise le long des lumières. C'est parti. J'étais sûr qu'on allait aller dans la flotte. Là, ok. Change d'environnement complètement. Hein. Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yoysala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au GAT, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes, du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé? Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc. Et la flèche était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Bon travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Osala? Oi, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture? Ouais. Appuyez sur... pour trouver le véhicule. Exactement là où je l'avais laissé. Ouais, normal. Homecoming. Quel paysage incroyable. Ok. Putain, et Nadine, elle est méga baraque hein, quand même. Et moi, j'ai pris du cul, c'est dingue. De rien. Je sais pas ce que j'ai mangé là, mais depuis Uncharted 3...
C'est pas ça, Chloé, hein. Bon. Oh, mais elle est déjà là-bas, d'accord. Allez, 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 allez. Mon arbre pont est tombé. J'y réfléchis. Je vais bien, en fait, hein. Bon, ben, on descend. Et là... Et je suis toute sale. Ok. Et la saleté sur les vêtements, ça s'est très bien retranscrit. Bravo Naughty Dog. Ah, ça faisait longtemps. Ils ont pris exactement les mêmes mouvements. Allez. T'es toujours là-dessous? Ouais, toujours là. Ok, je voulais juste en être sûr. Ah, sinon tu serais partie toute seule. Tiens, donne-moi ta main. Sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise? Non, ça me dérange pas. Moi si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Non, c'est Chloé. Cette blague était nulle, je sais. Pourquoi il y a deux passages, là? J'aime pas ça. Oh, et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. J'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et intelligent qui dilapidait les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, nous. Bon. On a juste appris que Shoreline avait été dissoute. C'était l'entreprise de Nadine, je vous rappelle. Par contre, j'aimerais bien savoir comment elles ont décidé de collaborer ensemble. Ce serait plutôt pas mal. Hé, hey, regarde ça, une réunion de flamants roses. Les décors sont tous très jolis. Hein. Ah non. Je crois que c'est une route là. Désolé. Ça rafraîchit. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non. Pas vraiment. Allez, on descend par là. Attention, bon, ralentis. Regarde un peu ça. Les ruines Hoysala. On peut passer cette porte. Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Hmm, bah je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou, la toute nouvelle capitale d'Hoysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies. Mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hé, y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. La dynamite, c'est Rafe qui l'a tout utilisé de partout chez Avery. En Écosse surtout. Attends, vu que ça s'ouvre, enfin vu que c'est ouvert là.
Ce mur a l'air fragile. D'accord. J'ai une idée. Ah, je peux pas. C'est con ça. Avec le treuil, je vois pas trop comment je peux faire. J'ai ce mur là. Bon, on va faire ça, peut-être que ça va péter autre chose. Bon, ça devrait faire l'affaire. C'est une embuscade, merde. Toi. Merci pour l'info. Attrapez-les. Ah, il est pas mort lui. Ah, c'était David, merde. Ok, c'est fini. Mais est-ce qu'ils ont des grenades? S'ils ont des grenades, je veux bien exploser ce petit mur à la con là. Non. Eh ben voilà. Pas de commentaire de Nadine, c'est bizarre ça. Est-ce que tout va bien là-haut? Ouais, ça va. Et au fait, j'ai trouvé la défense de Ganesh. Ok. Où on en était? T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Oui, c'est vrai. Et voilà le travail. Nickel. Et on est à 52 minutes déjà, les amis. On va s'arrêter ici. Hop. Juste, voilà, parfait. Donc, eh ben, on a quand même bien avancé, mine de rien. Hein. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça me fait bizarre de contrôler un autre protagoniste que Nathan dans l'univers Uncharted. Mais on s'y fait quand même assez rapidement. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Et nous, on se retrouve pour la suite des aventures de Uncharted The Lost Legacy en compagnie de Chloé et de Nadine. Allez, salut à tous!